Délivrez-nous la lune. Et ce turbo. Bon. Épisode numéro 3. Je me rappelle pas où j'ai laissé. Hein. Ok, ouais, faut que je vais par là. Ou l'autre sens. Peut-être fait... Ah non, je pense que j'ai déjà fait ça. Je suis certain que je dois y aller. Ok, je pense que je dois aller là. Ah, j'ai déjà été là, je crois. J'ai-tu déjà été là? Et voilà. Mais j'ai pas d'oxygène ici. Le découpeur placement peut être tiré du sur vos bras en toute sécurité et placé dans un emplacement sur un gant droit. Ok, place-le. Bon, j'ai le placement. Découpeur placement. Ah, ok, je comprends pourquoi. Et calme-toi, là. Évidemment. Je fais tirer. Quoi, pourquoi ça bouge? T'es plus loin? J'ai besoin d'enlever les autres. De l'oxygène, j'en ai quasiment plus. Ok. Je vais voir si je peux sortir et me chercher de l'oxygène. Sinon, j'en ai devant moi, mais c'est. Ça donne juste 30 secondes. Ok, ouais, je pourrais. Ferme ça, ferme ça. Tabarnak. Oh non, on ferme pas le sas. Ok, il faut continuer. Shit, je suis con. Tout l'oxygène, c'est arrêté là, là. Ah, t'as une minute, mon petit champion du monde. Si j'en ai là-dedans. Salut Dizzy. T'es aveugle ou? Ouais, mais prends la lumière déjà là, je peux pas passer là. Ah, si, ouais. T'es sûr, je suis mort.
vous plaît, le type avance. Je vois rien. 45 secondes, je le sais! Ah, au bout, au bout! Faites le feu ici. Une minute de la mort. Je vais au. Ah! Dépêche-toi, 5, 15! Appuie sur le mécanisme! Ouf. Roche. Je viens de cliquer sur de quoi là qu'on pouvait écouter, là. Il a été où? Ben ça le dernier. C'est le fun, ça. Bon, je viens d'avoir un message, mais je sais pas c'est lequel. Too bad. Destination, station spatiale, agrandissement de l'aile, panneau d'expansion, bon, c'est tout du matériel. Rappel, tous les commandes du matériel de construction nécessitent la supervision et l'accord du conseil lunaire avant d'en... Tu t'envoies toute question ou plainte devra être en adressée. Non, ça nous aide pas vraiment dans... dans notre recherche, dans notre aventure, ça. C'est ça qui me gosse des fois, si tu peux être à l'envers, puis avant tu peux te placer à l'endroit, là, quand tu comprends pas comme il faut le mécanisme. À cause de la gravité, ouais. Bien qu'elle soit opérationnelle, la construction de la station spatiale Pearson n'a jamais été achevée. Sarah et Rose supervisaient la construction de la dernière aile, jusqu'à que McHatcher, un membre du Conseil lunaire, suspende toute livraison du matériel, comme ce panneau, et utilise toutes les ressources pour un projet secret sur la Lune. N'oubliez pas d'aller retweeter, mes chers amis. Un petit retweet, un petit j'aime, ça fait plaisir. Ainsi, sur Instagram.
dont le jeu est inclus dans la Xbox Game Pass. N'oubliez pas que vous pouvez aller vous inscrire sur soit par l'application cellulaire ou par PC afin de me supporter et rentrer mon nom. Juste moi, je trouve que c'est carrément pas une bonne idée, là. Oh. Pourquoi je voudrais aller là? Ah, je l'ai vu, non, je peux pas. Ça, je peux-tu bien ramasser ça? Là, je commence à être tout, mais... Ah! Il y a une affaire, là. Ça sert à rien. Là, je commence à être tout croche. Bon, j'ai réussi à me placer droite un peu. Wow! Rendre un plafond. Bon, pourquoi je devrais aller là-dedans? J'ai pris la peine d'ouvrir la porte. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas vu là-dedans? Non? Ton avis s'est rendu là, Star. Ouais.
Pasteur, je suis rendu là comme un esti de mongol, qu'est-ce que je fais? Wow, toi, calme-toi. Je vois rien, calice de tape. Oh là! Qu'est-ce que je fais avec ça? Bon. On a réussi à couper le courant, ça fait on peut retourner sur nos pas maintenant parce que là. Ah, cœur sensible au niveau de la. Ouais. Je sais ce que tu veux dire. Pas sensible au niveau, c'est dégueulasse, mais au niveau de la sensibilité pis tout, là, ouais. Mais moi, hier, à un moment donné, ça commençait à me tourner la tête. J'étais comme calice. Regarde, tantôt, là, la porte est en face de moi. Là, la porte est rendue dans le plafond, esti. Je suis fucking tout mêlé, là. Je me place à... Faut que j'essaie de me placer comme du monde. Rentre pas dans le ventilo, esti. T'as d'autres choses à faire. Bon. J'ai réussi à me mettre à l'endroit. On vient de se rapprocher. Ah, oh, tiens, c'est bleu, ça. Y'a rien. Objectif. Donc, on a deux choses ici. On doit probablement réussir à ouvrir la porte. Ah, mon Dieu, j'espère qu'on s'amuse pas avec toutes ces affaires-là. Ça me tombera ses nerfs. Ah, faut les bouger. Ah, y'en a un là. Mais là, il bougera plus parce qu'il n'y a pas d'affaires dedans, c'est ça? Je peux-tu le replacer de nouveau? Il n'y a pas de l'air à vouloir. Je suis rendu dans le plafond. Place-toi à l'endroit, place-toi à l'endroit. Sinon tu vas vomir un peu partout, ça sera pas le fun. Là, je vois plus rien, je sais plus ce que je suis. Pourquoi la porte est à l'envers? Ah, bon. Ah! Bon. Réserve d'énergie du système de survie, 40%.
On a deux propulseurs aussi que j'utilise pas vraiment beaucoup. Ok, faut vraiment je passe. C'est que j'arrivais de même, voudrais que j'arriverais comme ça. T'en commences de nouveau, bien sûr. Ouais, faut rien que tu contrôles. Je peux pas faire ça. Là, je suis encore debout. Selon moi, je suis debout là. Ça va être compliqué ça. Il y a même pas d'électricité puis je touche tous les poteaux. Mais non, il va pas de la bonne façon! Ça va être dur, ça va être compliqué ce bout-là. On va être impatient déjà de ces longs.
Ça marche pas. Réserve d'énergie du système de survie, 40%. Assez pas bouger de sangle. Salut Liam, Soprano, ça va? Bouge plus! Bouge plus! Merci Turbo.
C'est bon, je rentre à l'envers. Je suis rendu complètement à l'envers. Là, faut que tu réussisses à te mettre à l'endroit. Là, c'est compliqué. Énergie du système de survie entièrement redirigée vers le moteur de rotation. Accédez au centre de contrôle pour activer le moteur. Salut, Charlie. Bon, on a réussi. On est rendu à l'endroit. On a l'endroit, puis on a réussi à passer le prochain niveau. Encore 30 minutes pour avancer dans ce jeu. Salut Kiko, comment ça va? Ces derniers mois, mon équipe et moi, membre du conseil de MacArthur, et moi-même avons rencontré des problèmes de livraison du matériel de construction à l'heure où je vous parle. Nous aurions dû avoir terminé l'île Lorient, mais une fois encore, nous avons manqué notre date butoir en raison de cette annulation répétée de livraison. Quand pouvons-nous espérer que le conseil lunaire accepte les futures livraisons? Sarah Barker. Ok, mets-toi à l'endroit, là. Ok, je suis à l'endroit. Énergie de centre très faible, ascenseur spatial déconnecté. Activation des moteurs. Moteur rotation activé. Ascenseur spatial en route. Si tu te pognes pas sur quoi, tu vas rester là toute ta vie! Merci pour les crottes de caribou! Et où l'autre chienne? Face de moi, face de moi!
Pogné! Je pense que j'ai manqué de quoi. Salut à tous, bienvenue à la tribu du Caribou canadien, mon ami, ça fait super plaisir de t'en faire. Oh yeah! Et merci encore, Charlie, pour les crêtes de caribou qui arrivaient au mauvais moment. Qu'est-ce que ça disait? Il te ressemble un peu, ce dessin. Tu parles, toi, Calis. Capi, tabarnak! Quelle action. Chris, qu'il restait plus de temps, tabarnak. Bon, je vais faire une capture de ce bout-là, bientôt je vais faire une coupure, je vais le mettre sur Internet. C'est toute beauté pareil, hein? C'est extrêmement beau. Nous sommes rendus sur la Lune! On n'a pas eu de sauvegarde automatique encore, on va prendre une sauvegarde automatique avant d'aller jouer avec Turbo. Je lui ai pas encore demandé, mais... 5 ans après la coupure générale.
y a quelqu'un ? Ça a l'air vide. Où sont-ils passés ? J'en ai aucune idée. Toi, Charlie, elle est tannée. J'ai jamais vu la base dans cet état. Est-ce qu'Alex détecte des signatures thermiques ? Non, rien. C'est pas possible. Je vais aller en bas, voir ce que je peux trouver. Sarah, nous allons nous en occuper. Et merci, à vous deux, de m'avoir sauvé lors de la coupure générale. Je sais que... Équipe d'expédition, vous devriez être à la surface maintenant. Souvenez-vous, vous n'avez que 40 minutes là-bas. Bien reçu, Pearson. C'est rien, Rolf. Pouvez-vous aller au centre de contrôle pour voir ce qui cloche avec la MPT ? Je m'en charge. Gardez le contact. Je vous informe dès que je trouve quelque chose. Au moins, là, il n'y a plus de gravité. Je sais pas vous avoir remarqué. Faut une passe ici. Et là, j'arrivais. C'est bien bizarre, ça. On dirait un hologramme. Et je peux pas aller par là. Sarah, j'ai trouvé ce livre et je me suis dit qu'il te plairait certainement. C'est mon cadeau de remerciement pour toutes les émotions que tu as programmées dans mon ASE. J'espère qu'il te motivera à en programmer encore plein d'autres. Excusez-moi. Salut, Bass Boy, ça va? Isaac a été dévasté lorsqu'il a appris la mort de sa femme en 2049 dans une tempête de sable sur Terre. Ne voulant pas que ses filles y restent à cause de ses conditions qui se détérioraient, il a ordonné de le rejoindre sur la Lune. Claire a refusé car elle était inquiète quant à la santé de Cathy et s'est occupée de sa sœur jusqu'à ce que Isaac se serve de son influence pour obtenir la garde légale de Cathy et qui a été amené sur la Lune peu après. Cinq leçons pour devenir le parent idéal. Et tabarnak! Comment j'ai rentré ici dedans? Comment je sors de ici dedans? Ok. Ça va, merci. Ceci certifie que le directeur de l'exploitation MacArthur a été honorablement pour des années d'excellence. Youpi. Petite mise au point, les évacués de Tombo sont installés. MacArthur, pagaille de Tombo, ne soit pas à se reproduire, je refuse de participer à ça. Très bien, nous allons bientôt pouvoir commencer, il va falloir qu'ils prennent des décisions. Le WSA recrute les meilleurs scientifiques pour le Conseil lunaire. En préparation pour la mission imminente visant à coloniser la Lune, le WSA a recruté les membres du Conseil lunaire conçu pour coordonner les efforts de la W. Ok, ouais, je lirai pas tout ça.
Croisement, tombeau, terre, les plus brillants, la nouvelle ère, le hardware. Ok. Wow! Bon sang, c'était quoi ce discours? Notre prochain chapitre, Rosa. C'est l'heure. Les vaisseaux seront bientôt prêts. Vous n'êtes pas sérieux. Je ne sais pas comment vous comptez régler ce foutoir, mais vous feriez mieux de le faire tout de suite. Ce ne sera pas nécessaire. Venez avec moi. Vous êtes sérieux? Will, vous êtes devenu fou. Nous ne pouvons pas abandonner la colonie. Pas pendant cette coupure générale. Pas avec le signal de la MPT encore déconnecté. La Terre entière dépend de nous. Ne vous préoccupez pas d'eux. Cette époque est révolue. Nous devons commencer le long voyage qui nous attend. Voilà ce qui était convenu. Les vaisseaux devaient servir en dernier recours. Nous n'avons pas abandonné la première fois. Nous n'allons pas le faire maintenant. Une fois le réseau reconnecté, nous pourrons alimenter la Terre en énergie. William, nous y sommes presque. C'est faux. Nous en sommes loin. Si vous pensez que nous pouvons alimenter toute la Terre avec la MPT, vous êtes plus folle que je ne le pensais. Il nous reste un dernier espoir, et c'est le projet Outward. Maintenant, préparez-vous, car nous partons. Je ne partirai pas, Will. Pas comme ça. Ce n'est pas une question. Faites-la monter dans le vaisseau. Quoi? Oh, c'est vraiment... Oh. Après un discours inquiétant, William Atherton, membre du Conseil Lunaire, vient chercher sa collègue, le Dr. Rosa Laverde, pour un mystérieux voyage. Scandalisée, elle refuse de se joindre à lui et soutient que la MPT et la Terre peuvent être sauvées. MacArthur n'accepte pas son refus et la force à venir avec lui, enregistré le 23 septembre 2054, 4 minutes après la coupure générale. Salut Power, ça va? Ça va? Excellent, on sait. Turbo pensait se joindre à moi, tu pensais-tu te joindre à nous? Une dizaine de minutes. Dès que je peux avoir une sauvegarde, je prends une pause. Voyons, pourquoi tu montes à la table, toi?
Bon. Initialisation du protocole de maintenance AS. Exécution du diagnostic matériel AS. Connexion AS au réseau de la station lunaire. Échec. État du port d'accès au réseau AS. Défaillant. Remplacement du composant recommandé. D'accord. Donc, c'est ici que cette histoire se termine pour aujourd'hui. Délivrez-nous la lune et donnez-moi la fortune.